Ceci est un projet de loi. Je me permets de vous en lire un extrait. Considérant qu'en l'état des connaissances scientifiques, la vaccination des citoyens qui le souhaitent peut constituer un moyen efficace de lutte contre l'épidémie du Covid-19. Considérant que plus de 80 000 de nos concitoyens ont perdu la vie du fait de cette épidémie, considérant le fiasco des mesures successives du gouvernement sur les masques, les tests, les lits de réanimation et la vaccination. Considérant que les multinationales de la pharmacie livrent les vaccins à un rythme et à des conditions fixées par les exigences de profit de leurs actionnaires et non par la situation sanitaire de la population, le gouvernement de la République, désormais soucieux des seuls intérêts du peuple, décide 1. L'industrie pharmaceutique est socialisée, toutes les entreprises de ce secteur sont confisquées sans indemnité ni rachat. 2. Tous Les travailleurs de ce secteur sont garantis dans leur emploi, leurs qualification et leur salaire. 3. Les brevets des vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc. sont versés au domaine public. 4. Est instituée la Société nationale de pharmacie. Sa tâche prioritaire est la production de vaccins en nombre suffisant pour vacciner dans les plus brefs délais tous les citoyens qui en font la demande. 5. Il est fait appel à tous les chercheurs, techniciens et ouvriers volontaires de ce secteur pour coopérer dans et pour la production en masse des vaccins nécessaires. 6. Il est fait appel à la mobilisation des médecins, infirmières, personnels soignants, élus volontaires pour organiser dans chaque commune des centres de vaccination approvisionnés en vaccins autant que de besoin. 7. Les 560 milliards d'euros distribués depuis le 19 mars 2020 aux entreprises qui spéculent et licencient sont réquisitionnés au service du déploiement de l'industrie vaccinale. Voilà le projet de loi qui est euh, publié en ouverture de l'éditorial de la Tribune des Travailleurs sous le titre ⁇ Pour la socialisation des moyens de production des vaccins ⁇ En effet, la crise sanitaire en France ne cesse de s'aggraver. Les uns après les autres, les spécialistes médicaux, les responsables des services sanitaires multiplient les cris d'alarme. La cause de cette situation, de ce véritable fiasco, de cette incapacité notoire du gouvernement à fournir en vaccins les centres de vaccination, à répondre à la demande de plus en plus angoissée des personnes, notamment âgées, la cause de cette situation, nous la connaissons. Ce gouvernement qui a fait voter par l'Assemblée nationale unanime d'abord 343 milliards d'euros pour les capitalistes et les banquiers qui en profitent pour licencier au nom soi-disant de la relance et qui ensuite a fait monter cette somme jusqu'à 560 milliards. Ce gouvernement n'a aucunement financé l'ouverture de lits de supplémentaires dans les hôpitaux, pas plus qu'il n'avait financé à l'époque l'achat en masse nécessaire des masques, des tests, pas plus aujourd'hui, qu'il ne prend la moindre mesure pour permettre la vaccination en masse de la population. Au rythme actuel, il faudra attendre 7 ans, 8 ans pour que nos concitoyens qui le souhaitent soient vaccinés. Alors oui, il serait possible d'adopter le projet de loi dont je viens de vous lire des extraits. Cela serait possible, cela serait une réponse adaptée à une situation d'urgence. Bien sûr, cela supposerait un gouvernement déterminé à le faire. Qui le fera Macron, certainement pas. Car Macron, chacun le comprend, a comme seule préoccupation de permettre aux banques, aux capitalistes, aux multinationales de se gaver. De répondre aux injonctions de l'Union européenne, du Fonds monétaire international, la question pour lui n'est pas l'état de santé de la population. Il est indispensable d'aller dans le sens de la rupture. Il est indispensable d'aller dans le sens de la rupture et qu'un gouvernement prenne les moyens de telles lois efficaces, mobilisant tous les moyens disponibles, financiers, matériels, techniques, permettant de faire face à l'exigence. De vaccination en masse. C'est le titre de l'éditorial, c'est ce qui guide la première page de la Tribune des travailleurs à décréter pour produire des vaccins en masse, réquisition des chaînes de production. Mais nous ne sommes pas les seuls à le dire. En page 3 de la Tribune des travailleurs, sous le titre Réquisition, on prendra connaissance par exemple de cette lettre ouverte de salariés de Sanofi à Macron et à Le Maire. Et qui, appuyés sur leur expérience technique, professionnelle de salariés de Sanofi, disent C'est à l'État de stopper cette catastrophe. Et plus précisément, je cite C'est à l'État de récupérer les millions versés à Sanofi, de réquisitionner la recherche et la production des médicaments, des vaccins de rouvrir les labos de recherche et les centres de production de permettre aux chercheurs, aux techniciens et aux ouvriers de Sanofi de faire leur travail au compte des intérêts vitaux de la population. Page 3 de la Tribune des Travailleurs, également cette prise de position de Morad Zerouali. Il est responsable CGT de Sanofi à Val-de-Reuil dans l'heure. Et lui aussi dit il faut reprendre la main au moment de l'arrivée des variants du virus. Toujours dans cette page de la Tribune des Travailleurs, Christophe Prudhomme, responsable de la CGT Santé, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, en appelle, je cite, à une production de masse des vaccins. Et même le docteur Chassant, qui n'est pas connu pour des prises de position favorables au mouvement ouvrier, euh, qui se définit volontiers comme un libéral et qui est président de la Confédération des syndicats médicaux français, écrit dans un poste du 1er février Une solution urgente serait une production massive de vaccins sous licence Pfizer, Moderna, AstraZeneca et autres par les, industri les industries du secteur de gré ou de force, n'est-ce pas, au gouvernement de décider, en situation exceptionnelle, ce doit être possible, car il n'y a plus une minute à perdre. Le docteur Chassan a raison, de gré ou de force. Et s'il faut pour cela euh, contraindre à euh, libérer les brevets, contraindre à la confiscation des biens des multinationales du médicament, s'il faut pour cela des mesures de force vis-à-vis par ailleurs de cette industrie pharmaceutique dont la tribune des travailleurs nous rappelle. Que durant les 18 dernières années, elle a accumulé 7700 milliards d'euros de bénéfices. Eh bien, il n'y a pas à hésiter, il y va de la vie de nos concitoyens. Il faut avoir en tête ce pourcentage dérisoire qui sert de titre à la chronique de la Tribune des travailleurs en page 3, 0,4%. 0,4%, c'est le pourcentage de la population française qui, à l'heure où nous parlons, à bénéficier d'une vaccination, c'est-à-dire des deux injections euh, qui permettent de définir ce qu'est une vaccination. 0,4% en euh, six semaines, chacun peut faire le calcul, c'est effectivement sept, huit ans devant nous. Alors, euh, cette exigence qui monte dans tout le pays, cette exigence que des mesures énergiques, radicales soient prises pour sauver la population, elle a un rapport avec ce phénomène euh, qui tend là aussi à s'élargir. À savoir la multiplication des grèves, des mobilisations, de la lutte de classe, euh, qui, dans tous les domaines, euh, voit les travailleurs aujourd'hui engager des grèves, combattre pour les revendications. Et la tribune des travailleurs y revient aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'enseignement des professionnels de la petite enfance, des euh, travailleurs euh, euh, de euh, la fonction publique euh, territoriale, etc. Une attention particulière sera. Euh, Accordé, est accordée dans le journal à la situation des étudiants. Nous avons depuis des mois et des mois alerté dans la tribune des travailleurs sur la situation de détresse morale, psychologique, matérielle, qui est celle des étudiants interdits d'aller en cours, souvent privés des ressources nécessaires pour s'alimenter correctement, pour se loger. Mais depuis quelques semaines, la situation est en train de se modifier. Elle n'est pas en train de se modifier au sens de... Le des conditions dans lesquelles vivent ces étudiants, qui ne se sont pas modifiées parce que le gouvernement refuse d'entendre leurs, leurs exigences. Mais elle a commencé à se modifier parce que les étudiants un peu partout en France ont commencé à prendre en main leur propre mobilisation pour obtenir leurs revendications, à savoir nous voulons la reprise immédiate de tous les cours, nous voulons pouvoir étudier, nous voulons pouvoir passer nos examens dans des conditions décentes. Et cette mobilisation, vous le verrez dans les colonnes de la tribune des travailleurs, s'exprime à la fois dans des appels, des comités qui se constituent, le comité des étudiants de Paris 8 Saint-Denis, de Paris 10 Nanterre, de Lille et d'autres secteurs, qui se constituent pour arracher leurs droits, pour obtenir que les facs réouvrent, obtenir que les cours reprennent en présence physique des étudiants. Et ces différents comités, euh, convoque une réunion nationale par visio, car il n'y a, a malheureusement pas d'autres possibilités, le 12 février à 20h. Et euh, la tribune des travailleurs fait écho de cette initiative. Et euh, il faut souhaiter que le plus grand nombre possible de délégations, d'étudiants, voire de lycéens, participent à cette rencontre pour organiser le combat commun au plan national euh, pour pouvoir... Euh, Imposer cette solution vitale. Les cours doivent reprendre, les examens doivent être passés. Il est impossible que 2 millions d'étudiants soient plongés dans une situation où ils considéreront que l'année a été gâchée, qu'elle a été perdue, qu'il n'aura pas été possible d'avancer dans leurs projets. Il y a dans ce pays un véritable vent de mobilisation qui monte. On l'a vu d'ailleurs même dans les journées d'action largement divisées, celle du 4 février mais où, comme le reportage de la tribune des travailleurs le montre, euh, les travailleurs interrogés sur l'appel que nous avons lancé dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux, ces travailleurs répondent très largement. Il y a, à l'heure où je parle, près de 5000 travailleurs militants, jeunes de toute tendance, qui ont signé cet appel, et comme vous le verrez dans le journal, des comités pour l'unité qui se constituent et qui se proposent de euh, participer à une rencontre nationale qui aura lieu le 13 mars prochain, rencontre nationale des délégués de ces comités pour l'unité qui, euh, avec des motivations qui ne sont pas toujours les mêmes, avec des cheminements qui sont différents, et cela renvoie à la richesse, à la diversité de tous ceux qui signent cet appel, mais se prononcent sur le fait qu'il est urgent, urgentissime de chasser Macron et sa politique et que la lutte de classe, des mobilisations sur les revendications euh, permettent d'avancer dans cette direction. La tribune des travailleurs en rencontre et elle sur un sujet particulier, elle ouvre un débat. Vous le savez peut-être l'historien Benjamin Stora ex militant très à gauche qui s'est rallié depuis à Emmanuel Macron a été chargé par ce dernier d'écrire un rapport je cite sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'algérie, les guillemets. autrement dit, il a été chargé d'élaborer un rapport dont la fonction serait d'effacer, comme si c'était possible, les blessures nées de euh, plus d'un siècle et demi d'oppression coloniale, de surexploitation de la nation algérienne par euh, le capitalisme français. Et, euh, ce rapport a été publié dans la tribune des travailleurs. Un militant algérien, le camarade Abdelkader Ben Taleb, euh, donne son opinion sur euh, ce rapport. Euh, de même qu'un militant français, le camarade François de Massot, qui fut, à l'époque de la guerre d'Algérie, euh, militant euh, du Parti communiste internationaliste, qui a été poursuivi pour son soutien au soulèvement du peuple algérien. Pas plus dans ce domaine que dans d'autres, l'heure ne doit être à l'Union sacrée. Il y a des exploiteurs, des exploités, il y a un gouvernement qui opprime, qui exploite les travailleurs en France, comme en Afrique du Nord et dans toute l'Afrique, et il y a une classe ouvrière internationale qui résiste, cela vaut aussi pour entre guillemets la mémoire de la guerre d'Algérie. Dans les pages internationales de la Tribune des travailleurs justement, on retrouve les travailleurs d'Algérie aujourd'hui. Il y a eu dans les dernières semaines, il y a une très grande mobilisation ouvrière à Béjaïa pour la réintégration des 193 travailleurs licenciés avec une marche de milliers de travailleurs le 25 janvier dernier. La tribune des travailleurs y revient, comme elle revient, sur la mobilisation qui ne faiblit pas celle des paysans en Inde. Cela fait 70 jours que par dizaines, centaines de milliers, ils se mobilisent dans toutes les grandes villes du pays, et en particulier à New Delhi, et nous y revenons. Enfin, la tribune des travailleurs, dans les informations qui sont données en dernière page, revient sur des éléments plus récents de la mobilisation ouvrière. Il y a eu en Seine-Saint-Denis, le, le mardi 9 février, c'est-à-dire hier, un rassemblement d'AESH. Vous savez, les AESH, ce sont ces accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ces AESH jouent un rôle essentiel sans eux des euh, milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'enfants handicapés à des degrés divers ou en tout cas en difficulté ne pourraient pas être scolarisés. Ils ont euh, vocation à les accompagner, à leur permettre de euh, s'insérer dans le dispositif scolaire. Mais c'est un double drame qui se joue autour de cette question des AESH. C'est le drame des AESH euh, qui sont... Euh, euh, comment dire euh, qui sont en nombre extrêmement insuffisant, euh, à qui euh, on ne peut plus confier des enfants en difficulté en permanence parce qu'ils sont trop peu nombreux. Et c'est par ailleurs le drame des AESH du point de vue de leurs euh, conditions de travail, puisque salaire de misère, pas de garantie statutaire, horaire partiel. Et c'est tout ceci qui a explosé dans la mobilisation des AESH de Seine-Saint-Denis. Vous en verrez le compte rendu. AESH qui ne s'en tiennent pas là, qui exigent des horaires décents, qui exigent du recrutement, qui exigent des garanties statutaires, qu'elles soient considérées comme les véritables professionnels qu'elles sont, et qui, dans l'appel qu'elles ont lancé, se sont adressées au ministre Blanquer pour dire Dans la France entière, constituons nos délégations, allons voir M. Blanquer, exigeons la satisfaction de nos revendications, emparons-nous de la mobilisation, nous irons jusqu'au bout. C'est un signe des temps. Les couches les plus opprimées, les couches les plus exploitées de la population. On les voit surgir semaine après semaine dans les colonnes de la tribune des travailleurs parce que c'est leur mobilisation qui surgit. On a vu les femmes de ménage de la ville de Paris, on a vu les euh, cantinières de la ville de Paris, on voit aujourd'hui ces AESH. Ce sont souvent d'ailleurs des secteurs où la main-d'œuvre est principalement féminine, surexploitée, qui se dressent aujourd'hui avec leurs organisations pour les revendications. Cela, vous le trouvez semaine après semaine dans les colonnes de la tribune des travailleurs. De ce point de vue, la tribune des travailleurs occupe une place unique. C'est le journal de la lutte, c'est le journal de l'action, c'est le journal de la mobilisation, c'est le journal de la perspective politique, celle de la rupture avec ce système d'exploitation indigne, injuste. C'est le journal de la perspective politique, celle d'un gouvernement de la majorité, d'un gouvernement de la classe ouvrière. Les temps sont difficiles, nous le savons. Les diffusions se heurtent à des obstacles du fait du couvre-feu, elles se tiennent quand même. Dans les porte-à-porte, -porte, dans les diffusions publiques, sur les milieux professionnels, les militants du Parti Ouvrier indépendant démocratique n'économisent euh, aucun effort pour faire connaître la tribune des travailleurs. Vous, lecteurs, vous, organisateurs, vous pouvez contribuer chacun à votre niveau en abonnant autour de vous à la tribune des travailleurs, en le proposant à ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. C'est ainsi, à travers toutes les difficultés que nous jouerons notre rôle modeste mais nécessaire d'aide à l'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes. Bonsoir.